des chrétiens qui épousent des païens. Ces chrétiens-là s'appellent des chrétiens en mission. On les entend toujours, Dieu m'a donné une mission dans sa vie. Elle te présente un païen. Tu dis, ma soeur, mais c'est un païen. Il est écrit dans la parole qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Non, papa, tu m'as dit que j'ai une mission. Mes missions. Donc, tu as une deuxième croix à accomplir dans sa vie. Des fardeaux qui ne sont pas bibliques, des fardeaux qui sont charnels. Dieu m'a dit que c'est par moi qu'il changera. Ah bon? Ah bon? Vous connaissez combien d'hommes qui n'arrivent pas à changer leur femme? Combien de femmes n'arrivent pas à changer leur mari? Et tu vas épouser un païen pour le changer? Mais les païens sont devenus des professionnels. Vous savez ce qu'ils nous font maintenant? Ils étudient comment nos églises fonctionnent. Comment on fait pour avoir une sœur à l'église Parole du Salut ou à l'église Philadelphie? Oh, il fait baptiser. Ok, il vient baptême. Combien de mois? Un mois. Après affermissement. Ok. Et puis quoi? Il faut formation des couples. Il va là-bas. Il faut quoi? Parler en langue. Il fait tout, 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 tout. Et puis change de nom. Quand il te met à la maison, Django Kugweteo. Et puis il te dit, tu ne vas plus dans votre église. Et quand pasteur, tu le convoques, il dit, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je lui ferai? Rien du tout. Mes frères, un chrétien n'épouse pas un païen. Une chrétienne n'épouse pas un païen. Un chrétien n'épouse pas une païenne. Jamais. Quand tu demandes à Dieu un pain, il ne donne pas une pierre. Quand tu demandes à Dieu un poisson, il ne donne pas un serpent. Même si c'est un païen gentil, la gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit, c'est la bonté qui est le fruit du Saint-Esprit. Même s'il ouvre la porte pour que tu sortes, et s'il te dit s'il te plaît, ce n'est pas parce que quelqu'un dit s'il te plaît que c'est un bon mari. Il est bien éduqué. Il y a des chiens bien éduqués aussi. Il y a des chiens qui donnent la patte, qui tournent aussi comme ça, qui font, mais c'est un chien. Donnez-moi la main. Mais vous savez aussi pourquoi aujourd'hui les chrétiens veulent épouser les païens. C'est un problème des fois au niveau des frères. Les frères, on n'est pas romantiques. Pas de romantisme. Des frères paresseux, mais des grandes visions. Passant les temps à l'église sans être pasteur. Et nous voulons épouser des sœurs. Cette sœur a grandi dans une bonne famille, elle a bien étudié, et toi, au nom de la foi et de la proximité, on va profiter au changer. Vie sociale dans la église. Mes sœurs, écoutez-moi. Tu es d'une bonne famille. Tu as bien étudié chez vous. Ce n'est pas à cause de cela que tu dois oublier ton rang social. Même si tu es à l'église. Oui, donnez-moi la main. Donnez-moi la main, je veux dire. Parce qu'il y a des frères qui profitent derrière tout ça. Lui, un paresseux, il ne se donne pas à étudier, à travailler, à rien. Lui seulement, il est trop gentil avec ses sœurs-là. Et vous voyez les sœurs des bonnes familles, tellement que les parents sont très occupés, ne leur donnent pas de l'amour. Ils lui donnent plein d'amour. Et tu vois une fille d'une famille bien épouser un garçon qui va le faire dormir dans Kitikwala. Oh ma sœur, ce qui commence petit ne finit pas petit. Car la Bible dit, ne néglige pas les faibles commencements. Tu veux épouser ma fille? On va causer. On cause. Je vois si tu es intelligent. On cause d'abord. On cause. On doit causer. Parce que moi, j'ai souffert pour qu'elle étudie. Alors toi, tu ne dois pas venir diminuer son niveau. Même si je suis pasteur. Jamais. Jamais. N'ose pas venir. Jamais. Vous imaginez une fille qui grandit. Il y a toujours des anniversaires. Et toi, tu la mets dans le mode non-anniversaire. Elle pleure. Mais tu as oublié mon anniversaire. Oh. Il y a des pieds à Botama qui ont fait ton anniversaire. Oh mon enra, l'oro morote. Et le kanango kaka. Pourquoi les païens, les chrétiens épousent, les chrétiennes épousent des hommes païens? Les hommes païens, ils insistent. Un païen, quand il aime une femme, il peut même te suivre 3 ans. Tu prends même de l'eau chaude, tu jettes sur lui. Et petit, on va voir quel nom à moto. Et nzambe, na yazepe na posana sokola. Avancez. Mais un frère,
c'est le signe que ce n'est pas la femme de ma vie. Non, mon frère, il faut être déterminé. Il faut persévérer, il faut tenir bon. Il faut continuer, il faut continuer. Mais les frères abandonnent du coup et on cherche tout le temps des signes pour abandonner. Même pour se marier, on n'arrive pas à se battre. J'ai aimé ce que même le pasteur Ken a prêché chez nous. L'esprit Ali Kwanganzala. Vous connaissez ça? De la menthe religieuse. Vous connaissez la menthe religieuse? Elle évolue seulement comme ça. Et il y a des frères comme ça. Je lui dis pas. Et on va l'épouser et tu vas pleurer. Pas de romantisme. Pas de tact. Pas de classe. Vous venez qu'avec les cantiques de cantiques. Mais aussi les sœurs. Pourquoi aujourd'hui les frères vont épouser les païens, les païennes? Parce que les sœurs, quand vous priez, vous divorcez avec le parfum, avec la poudre. Vous devenez comme des garçons. Vous devenez brutes. Pas séduisantes. On te met à la maison. Remi maman à Bahana. Elle est mariée, mais elle ne fait rien pour séduire son mari. Tu sens ça? Bien-aimé, moi le matin, je me brosse les dents. Et puis je me parfume. À l'occasion des rien. Pourquoi? Pour avoir l'impact. Ouais. L'impact, c'est moi. Tu as l'impact. Et les enfants me disent, mais papa, c'est 6h du matin. Pourquoi? Non, l'impact, petit, l'impact. L'impact, il faut impacter. Pourquoi? Ma femme est sensible au parfum. Alors, Kotana, on a travaillé fort. Oh, il est possible de faire des miracles, être romantique. Il est possible de faire des miracles, être romantique. C'est ça le problème. C'est pourquoi les sœurs n'aiment pas épouser les prédicateurs, surtout pas les intercesseurs. To bondeli. Ma sœur, to bondeli. To fukami. To tomboli. To kangi. To tindiki. Pas de s'il te plaît, peux-tu, est-ce que, nanana. Avant de prêcher, je fais des bisous à ma femme et puis je vais prêcher. Mais il y a des gens, ils pensent que s'il fait des bisous à sa femme avant de prêcher, il n'aura pas l'onction. Donc, présence, depuis la maison. Je vais prêcher. Et qu'on pousse un athée, hein. Au thé à ma casse, il est le haut. Bon, pour thé à ma casse, il n'est ni. Alléluia. Alors, il y a des sœurs qui disent, pasteur, le genre d'homme que je vais épouser ne vient jamais à l'église. Et il y a des frères qui disent aussi ça. Le genre de femme que je cherche ne vient jamais à l'église. C'est pourquoi nous créons des fausses conversions. Nous prenons des païens et nous souffrons dans le mariage. Même si tu es chrétienne, tu es une femme. Même si tu es chrétien, sois romantique. Même si une femme a le Saint-Esprit, elle a envie d'entendre « Je t'aime ». Elle a envie de, que tu lui dises « Tu es belle, tu es bien habillée ». Même si un homme est rempli du Saint-Esprit, il a besoin d'être séduit par sa femme. Il a besoin. Il y a des sœurs qui pensent que non, comme cet homme prie beaucoup, donc il n'a pas besoin d'être séduit. Non. Boaz, comment on l'a eu? Ruth a dormi sur ses pieds. Mais ça, ne faites pas ça chez vous. C'est écrit une fois dans la Bible, hein, pour ça à péter. Mais c'est ce qui est écrit. Je vais vous parler d'un cas d'un croyant qui a commis cette erreur. Salomon. 1 Roi 11, versets 1 à 14. La Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étranges. Gère, outre la fille de Pharaon, il épousait la fille d'un occultiste, des Moabites qui sont issus de l'inceste de Lot et de ses filles, des Ammonites issus de l'inceste de Lot et de ses filles et d'une de ses filles, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Mais moi, j'appelle pas ça l'amour, entraîné par la passion. Amen. Quand on a l'amour, on réfléchit.
Quand l'amour t'empêche de réfléchir, c'est la passion. Amen. Hein? C'est pourquoi ne vous mariez pas sur base d'un coup de foudre. Amen. Nando bimara na monie mamoro pa et puis na balié bi. Oroboye pe ba. Alléluia. Il eut 700 princesses pour femmes. 700 princesses pour femmes. Donc chaque année, il peut avoir une femme. Pendant 2 ans, il peut avoir une femme. Une nouvelle femme chaque année. 700 princesses pour femmes. Des femmes qu'il a épousées. Avec quel argent? L'argent que Dieu lui a donné. Et 300 concubines. Ça fait 1000. Acclamons Salomon. Quel record du monde jamais inégalé battu. 1000 femmes. Et la Bible dit, et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque de sa vieillesse. Il y a ce qu'on appelle les péchés de la vieillesse. Quand tu es jeune, tu résistes. Mais dans la vieillesse, il y a des péchés qui commencent. C'est pourquoi on remarque des hommes de Dieu, pendant qu'il est jeune, tu vois, il tient. Dans sa vieillesse, il change de doctrine. Dans sa vieillesse, il change de leadership. Les péchés de la vieillesse. C'est souvent une pression qui a commencé dans la jeunesse. Tu as tenu, mais tu ne t'es pas débarrassé des sources de la pression. Et à la fin, dans la vieillesse, ces esprits ont la victoire sur toi. À l'époque de sa vieillesse, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Une relève gâchée, ratée, car la relève doit faire plus que la première génération. Salomon alla après Astarté, un démon, divinité des Sidoniennes, et après Milcom, abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Salomon est devenu un occultiste, un sataniste, si on doit utiliser les vrais mots. Car lorsque tu adores Astarté, lorsque tu adores Milcom, lorsque tu adores Baal, qui es-tu? Tu es un sataniste. Ce grand Salomon qui avait reçu la sagesse de Dieu est devenu un sataniste. Pourquoi? Il avait épousé des femmes satanistes. Il couchait avec des femmes satanistes qui ont fini par l'infecter. Vous qui voulez épouser des païens, voici ce qui vous arrivera. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un défi, un haut lieu pour Kemoth, l'abomination de Moab, et pour Moloch. Moloch réclamait que des parents puissent se sacrifier, brûler leurs enfants pour lui. Il a commencé à brûler des enfants pour un démon, Salomon. Salomon, pourquoi? À cause des femmes, à cause du mariage, à cause du fait d'épouser des étrangères. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. C'est-à-dire quoi? Pour 1000 femmes. Il a fait 1000 autels pour des démons. 1000 autels. Il n'a pas seulement battu le record des offrandes pour Dieu, mais aussi le record des offrandes pour Satan. Qui offrait des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Aïe, 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 aïe. Un homme qui a eu 2 apparitions de Dieu. Il y a certains qui, jusqu'à leur mort, ne verront même pas une apparition de Christ. Jamais. Ce sera par la foi seulement. Il croit, il entend la parole. Mais Salomon a eu le privilège 2 fois d'avoir l'apparition de Dieu. Il a goûté à la divinité. Mais malgré ses expériences, il a décidé d'épouser des femmes étrangères. D'épouser des Égyptiennes, d'épouser des Moabites, des Ammonites et même d'adorer des faux dieux. Vous qui voulez épouser des païens, vous qui êtes fiancé à des païennes ou à des païens, vous êtes en train de tenter Dieu et Dieu ne veut pas vous protéger. Dieu ne te protège que lorsque tu es dans les limites de sa parole. Et quelle que soit ton expérience avec Dieu, ton expérience n'est pas élevé au-dessus de la Bible. Le grand Salomon n'a pas été protégé. Je suis très spirituel. Elle me fera quoi? Ah, elle te fera quoi? Elle te fera quoi? Je suis trop spirituel. Je vais l'épouser, cette fille. Je vais la changer. Je suis spirituel. Je vais changer ce garçon. Oh, change-le avant le mariage.
Mais si jusqu'au jour du mariage, il ne change pas, dis-lui non, dis-lui non, dis non, non, non. Dites non, mes frères, vaut mieux être un célibataire seul. Vaut mieux être seul dans un désert qu'avoir un païen comme conjoint. Ne le faites pas, ne tentez pas Dieu et ne créez pas de fausses visions. Dieu m'a dit qu'il changera dans le mariage. Ce n'est pas un verset biblique. Faites très attention. Si vous êtes engagé à des païens, arrêtez cela. Même s'ils sont bien éduqués, même s'il est plus gentil que les frères, même s'il est romantique, même s'il est fidèle, même s'il ne te trompe pas, un païen, c'est un païen. Parmi ces femmes-là, il y avait aussi des bonnes femmes, mais il y avait une chose, leur cœur était idolâtre. Elle te poussera vers le monde. Le jour que ce sera une fête, elle va mettre la musique du monde, tu vois. Le jour que tu voudras faire des choses pour Dieu, elle va te proposer des choses pour le monde. Le jour que tu vas à l'église, dira que tu vas trop à l'église. Le jour que tu voudras donner une parcelle à l'église, va dire que tu exagères, c'est ce qui arrive.